Victor, je crois vraiment pas que ce soit une façon de traiter un ami. T'appelles ça des amis? Ah mais arrête, Gwati n'avait aucune mauvaise intention. En fait, il pensait pas mal agir, mais il a fait ça par bêtise. Franchement, comment il a pu prendre une telle photo? Victor, tout le monde peut commettre des erreurs, ok? Paula, ils sont en train de me cuisiner vivant. Tu as lu tout ce qu'ils sont en train de dire. Au minimum, ils sont en train de me cataloguer d'irresponsable. Tu trouves ça juste? Alors que j'ai consacré toute ma vie au football, tu m'as déjà vu peut-être traîner de fête en fête ou errer je ne sais où. Victor, le truc c'est que tu accordes trop d'importance à tout ça. Et puis écoute, même si tout ça était vrai... Ah, si tout ça était vrai! Du coup, tu en doutes toi-même aussi. Super, du coup, je suis trahi dans ma propre maison, c'est ça? Ah, mais calme-toi, tu es vraiment impossible parfois. Paula, mais ça crève les yeux que c'est pas toi dont tu es en train de parler, étant donné que tu connais personne. Victor, mon pote, franchement... Un autre. Je vais te donner un conseil. Pourquoi tu n'irais pas plutôt te reposer? Je sais que t'as eu une journée très difficile. Vraiment? Et grâce à qui, dis-moi? Eh bien, grâce à tous les gens qui m'entourent. Ah, et du coup quoi? Tu préférerais rester ici tout seul comme un pauvre bougre? Eh bien, ce serait toujours mieux que de me retrouver avec un groupe de parasites. Ah, c'est vraiment ce que tu penses de nous? Écoute, Victor, franchement, je crois qu'il vaut mieux que tu montes te reposer. Eh bien, laisse-moi te dire qu'ici, je fais encore ce qui me chante. Ok, ok, très bien, la superstar. Tu as tout à fait raison, tu peux faire absolument tout ce dont tu as envie parce que tu es ici chez toi et ça te donne tous les droits. Mais hormis celui de laisser de côté tous les gens qui t'aiment. Je sais pas, Paula. Mais étant donné que je suis un parasite, je ne dormirai pas dans cette maison. Ah, super, maintenant je suis en train de m'embrouiller avec vous deux. Faire! Tu n'avais aucune raison de lui dire que nous allions nous en aller. Non, parce qu'on va pas partir d'ici, n'est-ce pas? Je sais pas, mais sachant ce qu'il pense de moi, je ne resterai pas dans cette maison. Ah, mais arrête, et qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, ça t'a pas choqué, ce qu'il nous a dit? Il nous a traités de parasites! C'est quand même dingue, ça. Je supporte pas qu'on me dise ce genre de choses en face, t'es pas d'accord? Écoute, Paula, t'inquiète pas, mon amour, tu n'as aucune raison de t'en aller. Reste ici le temps que trouve un endroit où on puisse s'installer tous les deux. On va quand même pas dormir sur un banc dans un parc, même si j'adore la ville de Madrid, on n'ira pas jusque-là. Je peux te demander un service? Surtout, ne dis pas un mot de tout ça au Ballon d'Or, ok? Parce que sinon, tu ne me reverras plus jamais, et je te parle sérieusement. Je me connais, il vaut mieux pas qu'on me la fasse à l'envers, parce que je pourrais finir par reproduire les erreurs du passé. Excusez-moi. Je vous en prie. Othoniel? Oh. Ma chère Tina. Oh, Othoniel, tu vas bien? Comment est-ce que ça va? Bien, bien, je ne me plains pas. Écoute, je n'ai pas eu autant de chance que toi, mais la vie est plutôt tendre avec moi. Excusez-moi, je vous apporte quelque chose à boire? Excusez-moi, Juan Camilo, je ne vous ai pas présenté Othoniel Herrera. Othoniel Herrera, Juan Camilo. C'est un plaisir partagé, comment allez-vous? Très bien. Cet homme ici présent, je l'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Tu sais que moi aussi, je t'aime beaucoup. Othoniel a été le premier à croire en Victor. Permettez-moi cependant de rectifier un peu. La première personne qui a cru en Victor, ça a été toi. En fait, tu es sa supportrice numéro un. Écoutez, je suis totalement d'accord parce qu'elle l'est et elle ne cessera jamais de l'être. Mais Othoniel a été son premier directeur technique. De plus, il a été l'entraîneur des Souricatos, imaginez un peu. Eh bien, c'est précisément pour ça que je suis ici. Je suis arrivé trop tard pour le poste. Non, bien sûr que non. Du coup, je suis un Souricato. Oui, bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème, pas non, vrai. Puisque nous avons réellement besoin d'un entraîneur. Ok, d'accord. Oh, Othoniel, tu as tenu parole. Je te l'ai déjà dit, ça m'a pris du temps, mais me revoilà. Ah. Ne me dis pas que c'est Paula qui t'envoie. Non, 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 non. Non, je viens pas pour te convaincre. Au contraire, je vais faire la même chose. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Si je t'avais écouté quand tu m'as dit de partir, rien de tout ça serait arrivé. Ok, mais c'est arrivé. Pas vrai, non? Tu sais quoi, Gwati Bonza? Va plutôt préparer ton sac et partons tout de suite, car plus on tardera, plus ce sera triste. Rorita, c'est si on partait demain, hein? Oui, parce qu'il va falloir que je démissionne, je peux pas laisser tout en plan. Ah oui, en fait, ne me dis pas que le patron... Non, il s'est endormi. Tu sais quoi? T'as raison, quand est-ce qu'on pourra à nouveau habiter dans un endroit pareil? Pas de soucis, mon vieux, on partira demain. Aux aurores, camarade parasite. Parasite. Ouais, à demain. Écoute, Gwati, viens une minute, j'aimerais te poser une petite question. T'as fait exprès de trafiquer cette photo? Non, 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 pourquoi j'aurais fait ça? Pourquoi? Pour séparer Victor et Véronica, c'est pas une bonne raison. Oui, Roritas, oui. Oui, j'ai fait ça et je me suis pris au jeu et j'ai pas pu m'arrêter. J'aurais jamais pu imaginer que tout ça allait arriver et que ça allait finir par porter préjudice à sa carrière. Okay, mais ça a été le cas. Oui, et il va falloir que je commence à payer pour ça. Et je sais pas comment. Allez, va faire ta valise. Écoute, je te présente ton nouveau chez toi.
Que c'est beau, ma belle. Je te félicite. Ça te ressemble. Regarde ces couleurs et tout. Eh bien, c'est le résultat de la lutte acharnée de Victor, non? Écoute, non seulement de Victor, mais de toi aussi. Pour ne pas dire plus encore. Excusez-moi de vous déranger, mais... Continuez, je te raconterai plus tard. Excuse-moi une petite minute, Othoniel. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, ma belle, je reviendrai non, un autre jour. Non, reste ici, on a tellement de choses à se dire, on a du retard à rattraper. Othoniel, tu es vraiment ici, chez toi. Du coup, mets-toi à l'aise. Merci beaucoup. Vouya. Très bien, je vais d'abord fermer la porte. Jamais j'aurais cru voir ça un jour. J'arrive vraiment pas à y croire. C'est tellement joli ici. S'il vous plaît, laissez votre message après le bip. Je ne veux plus jamais entendre parler de Miguel, plus jamais de ma vie. Ma belle, la première chose qu'on va faire, c'est nous détendre. Il faut que tu respires. Il faut que tu te calmes. Ça vient tout juste d'arriver, voilà pourquoi tu es dans cet état. De l'eau pourra couler sous les ponts, Tina. Je ne l'oublierai jamais si tu avais vu comment il m'a traité. Et tu sais le pire dans tout ça? C'est que je faisais absolument rien de mal. J'aurais très bien pu faire quelque chose avec Ramon, tu le sais très bien. Mais j'ai été très claire avec lui. Que je suis bête, j'aurais vraiment dû faire quelque chose avec cet homme plutôt que juste papoter avec lui. Et tu peux être sûre que là, Miguel, il s'en serait même pas rendu compte. Non. Tu sais quoi? J'ai vraiment supporté énormément de choses de cet homme. Et toi, tu sais que c'est vrai. C'est lui que j'ai véritablement aimé le plus de toute ma vie, Tina. Écoute, ma belle, raison de plus pour que tu t'en ailles, tu sais. Écoute-moi. Pas question, mais ne dis pas de bêtises. Après tout ce que j'ai fait, il ose retourner ainsi dans les bras de son ex-femme. Mais bon sang, qui fait ce genre de choses? Et qui est-ce qui va en payer les pots cassés? C'est moi, hein? En sacrifiant toujours mes... En sacrifiant toujours mes sentiments, tu sais quoi? C'en est fini, l'idiote. Écoute, je vais devenir une garce. Ah, c'est ce qu'il veut. Eh ben, je vais lui donner... Elle en réelle a voulu te faire... J'aurai vraiment tout pour pouvoir l'oublier. Je veux plus entendre parler de cette pension, ni de rien du tout qui puisse être...